l'idée quand même, c'est pas de glorifier l'échec comme fin en soi. C'est quand même de glorifier l'échec dans une aventure de la réussite. L'entreprise, elle doit absolument évoluer, donc changer, innover, prendre des risques. Donc avec une part d'inconnu, d'incertain, il y a un risque évident d'échec. Donc il faut en parler très explicitement, puisqu'on apprend beaucoup plus des échecs que des succès qui amènent plutôt une certaine forme d'ivresse. Parce que parfois on peut échouer, mais ça nous prouve qu'on a osé, qu'on a tenté, qu'on a été vivant. Et donc, il y a une réussite là-dedans, voilà. Il y a une réussite dans l'échec. Il est plus facile de faire vivre une philosophie de l'échec vertueux dans une entreprise où les salariés restent longtemps et de penser la possibilité pour les uns et les autres, finalement, de progresser, de s'amender en sortant d'une obsession perfectionniste pour arriver dans l'idée d'un perfectionnement indéfini qui n'a jamais de fin. Pour un collectif aussi ou une entreprise, il y a des échecs qui peuvent permettre une bifurcation, d'aller faire autrement ou d'aller voir ailleurs ou de présenter un autre produit. Il faut aussi que dans les processus, dans les manières de faire, dans les paroles, dans les valeurs mises en avant, on explique aussi aux hommes et aux femmes que l'échec n'est pas stigmatisant, n'est pas une humiliation, mais peut-être une expérience intéressante qui permet non seulement de comprendre des choses, mais aussi de grandir dans son humanité. En particulier la direction informatique, en tant que fonction support, on est très souvent mis en face de situations de panne, de dysfonctionnement, et qu'il y a donc eu un échec ou quelque chose à corriger. Et donc, en tant que fonction support, et ça fait partie de notre ADN, on a cette remise en cause perpétuelle. On sait que ce qu'on met en place peut tomber en panne, doit être supporté, doit être amélioré. C'est un sujet auquel on est confronté directement. Je pense qu'à l'issue de cette conférence, si je retiens quelque chose, c'est pour mes managers, être davantage bienveillant et se souvenir que pour réussir, il faut créer les conditions de la réussite et que ça passe par l'acceptation et de l'échec, de ce que ça nous a apporté et de ce que ça peut nous permettre d'améliorer dans nos pratiques. Par exemple, un cas d'échec typique, c'est les lancements de nouveaux produits. Je pense aussi à des travaux de recherche qui n'ont pas abouti, qui sont contrebalancés par d'autres travaux qui ont réussi. Mais dans tous les cas, en fait, lorsque ça n'a pas abouti, ça nous a amené à nous poser des questions et donc ça nous a toujours extrêmement enrichis. Donc heureusement qu'on a eu des échecs. Il ne s'agit pas de positiver à outrance. Et il faut bien sûr accepter que l'échec soit douloureux. Peut-être il faut savoir endurer cette douleur pour en sortir grandi, soit en termes au fond de compétences et de capacités, soit aussi en termes de qualité humaine et aussi davantage capable de créer du lien, d'écouter les autres. Et c'est pour ça qu'on peut dire que l'échec nous humanise au fond. Une vie, eh bien, c'est une succession d'échecs et de succès. Et je laisserai la conclusion à Mandela avec une phrase que vous connaissez. Je n'échoue jamais, soit je réussis, soit j'apprends. Encore faut-il se dire, j'apprends que je dois persévérer ou j'apprends que je dois bifurquer.